va bien? Dites. Oui. Maître. Oui. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Un miracle que je sois encore vivant. Il faut absolument que je dise à Shen de se mettre à l'abri et de se cacher. Oh. Maître, vous ne pourrez pas courir. Maître, soignez votre jambe. Nous allons gagner du temps. D'accord. Faites bien attention. Allons-y. Attention. À gauche. Arrêtez. Arrêtez. Parle. Ah, Tout Cheng, c'est donc vous, le traître. Vous n'avez donc pas de remords pour tous vos assassinats, espèce de chien. La ferme. Je te respecte, Wan Li. Parce que tu es un homme et un brave dans la bataille. Si seulement tu me disais où est Chen, où il se cache, je ferai en sorte de t'épargner et aussi de te récompenser. Sûrement pas. Je ne mange pas de ce pain-là, Tu Cheng. Je ne suis pas à vendre ou à acheter. Alors ne perdons pas de temps. Et moi, je ne suis pas un traître. Je refuse que nous ayons quoi que ce soit en commun. Homme sans honneur. Ou terroriser les hommes de ce pays par les moyens les plus vils. Et même s'il doit m'en coûter la vie, je vous jette un défi. Je te conseille de bien réfléchir avant. Je vais te tuer, espèce de traître. Nous allons voir ça. Tu veux le dire maintenant? Nous venons d'emménager ici et tu nous as déjà créé des histoires. Que t'ai-je donc appris? Réponds-moi. Travailler dur et en même temps réfléchir. Quoi d'autre? Et m'entraîner pour venir en aide aux autres. Tu t'es entraîné ce matin? Non, pas encore. Grand-père, je m'entraîne maintenant? Oui, vas-y. Ça y est. C'était peut-être un rien trop rapide. Je n'ai pas pu voir très clairement. Je me fais un peu vieux et ma vue baisse. Recommence, mon garçon, et lentement cette fois. Oh. Eh bien, que fais-tu là? Je travaille mes jambes. Marche. Ça a l'air correctement fait, mais pas assez ferme, à mon avis. Debout. Position correcte. Non! Tu as dit position correcte. Je vais t'apprendre la correction, moi. Allez!
Croisement de jambes. Quoi d'autre? Changement d'appui. Droite et gauche. Tu tiens bon? Très bon. Alors avance. Je veux pas. Oh. Et pourquoi? J'ai les pieds tout emmêlés. Oh, mêlés. Alors prends une autre position et sois ferme. Entendu. Les cuisses des reins. Touche, tu verras. Non, pas ça. Une nouvelle, grand-père? Celle du poirier, mon garçon. Hein? Un passage, t'en prie. Exécution! Oh! Là, ne bouge pas. Ouais. Reste donc tranquille et fais attention à ce bol. C'est un bol auquel je tiens énormément. Prends-en soin. Si jamais tu le casses, je ne répondrai de rien. Oh, grand-père, où tu t'en vas comme ça? J'y arrive pas, moi. Je vais sortir. Non, moi, j'en peux plus. Reviens, grand-père, reviens. Viens, celle-là. Celle-là. Celle-ci, elle est à toi. Non, je veux l'autre. Moi, je regrette, l'autre n'est pas à vendre. Tiens, celle-ci est mieux. Attention. Allons, faites vos jeux. Les paris sont à 10 contre 1. Allons, messieurs, pariez. Un peu de courage, messieurs. J'essaie. Vite, vite. Faites vos jeux, posez vos paris. Allez, allez-y. Ah, elle va plus. Eh, bon, le pas terminé. Je découvre le premier. C'est la banque qui gagne, c'est deux paris. Et voilà pour le troisième, un et deux. Faites vos jeux, allez. Je mise encore. Elle a dit pas que vous voulez encore jouer. Ça serait du vice, non? C'est tellement facile. Ah, tant que ça, hein? Ouais, je mise sur le deuxième. D'accord. Bougez plus, regardez. Alors, on veut miser encore, hein? Quelle poisse! Je perds presque tout le temps. Il faut que je me refasse. Attendez, laissez-moi faire. Non, non. Écoutez-moi, laissez-moi faire, vous ne le regretterez pas. Attendez, vous allez voir. D'accord? Ah, et celle-ci, hein? Alors, mon gars? Vas-y. Un gagnant. C'est incroyable, quelle chance. C'est chouette. C'est à vous. Pour vous avoir aidé à gagner, je vais garder ça comme bon. Ok? À bientôt. Hé, hey, là, revenez! Ben, ça suffit maintenant. Vous allez tout y laisser. T'es pas petit, et pourtant, il t'a pas vu. Et là? On a fait des achats, c'est bien de dépenser l'argent gagné au jeu. Qu'est-ce que vous me voulez? T'étais pas trompé de chemin. Qu'est-ce que tu sais de mon chemin? Qui es-tu? Qui je suis? Tu as dû entendre parler de moi. Je suis le grand ours. Ouais. Et moi, nain jaune. Je suis tétrase. Fais gaffe, tu mon vieux, fais gaffe. Qui vous êtes, je m'en fous et m'en contrefous. Allez, écrase-le. Reste-le. Tu ferais mieux de nous rendre tout de suite tout l'argent. Tu entends? Ouais. Ouais. Et pourquoi ça? À cause de ça. Un, deux. Comme ça.
mal, cette brute. Je lui ai rien demandé, moi. Je vais m'occuper de lui, tu vas voir. Enfin, je suis là, moi. Ben, j'y vais. Salut. Arrête. Un tremblement de terre. Ma tête. Cours après lui. Comment tu t'appelles? Œuf de pierre. Maintenant, tu t'appelleras œuf cassé. Œuf brouillé. Et à présent, un œuf pourri. Tu peux partir maintenant? Allez. Et toi, tes têtes de fer? Tu as tapé là. Alors, essaie là, maintenant. Tourne. Regarde là-haut. Fous le temps. Viens te reposer. Alors, ça va aller. Casse-lui la gueule! T'es grand et fort, mais ta cervelle est toute petite, tu sais. On l'appelle le grand ours, mais il a l'air tout petit vu d'ici. Vous voulez vous battre? Au secours! Allez, sortez-moi de là, par pitié! Allez, allez, au secours! Tu veux que je te rende l'argent? Non! Bah, ben je m'en vais. Bien sûr, je vous l'envoie. N'essayez pas de me suivre. Oh, sûrement pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tire-le de la vie. Doucement, hein. Aïe, mes ombres. Bon vin. C'est le même marchand que d'habitude? Oui, le même marchand. Mais il est bien meilleur. Bien meilleur que d'habitude. Ah oui, bien meilleur. C'est très bien. Où as-tu pris l'argent? J'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé de l'argent dans la rue. C'est pourquoi j'ai pu te l'acheter. De la chance? Ouais. Sors donc encore et essaie de trouver un peu plus d'argent. La vérité, allez. Qu'est-ce que c'est? Un est devenu deux, puis quatre, puis huit. Tu as donc joué, c'est bien ça. Et puis on t'a demandé de rembourser, c'est bien ça. C'est ça? Comment as-tu deviné, hein, grand-père? Et tu leur as sorti ton kung-fu? Ah non, j'ai rien fait. Je me suis juste mis en position d'attaque pour qu'ils me laissent m'en aller. Et quelle position était-ce? Une position assez classique. Tu mens! Je vais m'entraîner dehors, hein, bois ton vin. Attends. Pas d'entraînement aujourd'hui? Si, mais je vais avec toi, attends. Hein? Allons. Grand-père. Ne perds pas de temps. Je suis ton petit-fils. Ça t'apprendra à attaquer en traître. C'est ce qu'on appelle courte mais dangereuse. Alors, je prendrai la perche la plus courte.
pas fini. Tu m'as manqué. C'est ce qu'on appelle l'onde mépuissante. Ah, j'y comprends rien. Cours tout long, je les confisque. Une pratique quotidienne fait la perfection. Tu as raison, sûrement. Le lièvre, le singe, le serpent, le tigre, le lion, le pêcheur, le porteur d'eau. Ah, j'ai pas encore fini. Le chasseur. Un instant. Seconde position d'attaque, position de défense. Et où vas-tu? Fais le tigre contre le sabre. Voici le tigre contre le sabre. Un, deux, trois. Et je touche. Un, deux. C'est ce qu'on appelle la roupie de Sansonnet. Maintenant, me voici. Le taureau furieux. Grand-père, vas-y doucement. Non. Je ne suis pas comme toi. Grand-père. Non. Étourdi? Oh non, j'adore ça. Entre le vent, carre à la tête, boulinet d'attaque, plie les jambes, debout, volte-face, et je pousse, roulez-boulez, le vol du dragon, vol d'oiseau. Viens ici. Non, le petit oiseau reste au nid. Tu ne veux pas sortir? Alors je viens. Je te fais sortir, non, non, moi. Non, non, je sors. Non. Oiseau mangeur. Un devient deux. Deux deviennent quatre. Grand-père. Quatre deviennent huit. La tête me fait mal. Au travail. Un, deux, trois, quatre. Dragon furieux. Alors, il va de calme, allons. Moulinet l'attaque. Affermis le bâton de tes mains. Position de défense. Le saut du crapaud. J'ai demandé un saut. Ah, je sauterai plus tard. Plus tard. Je vais te montrer. Ça suffit. C'est fini. Quoi? C'est fini. Je ne fais que commencer. Grand-père, arrêtons, tu me tues. Quand tu auras appris, j'arrêterai. Combien de fois t'ai-je dit, ne montre pas notre kung-fu aux autres. Mais tu n'arrêtes pas de le faire. Notre kung-fu est légal. C'est pas la question. Mais tu ne dois pas l'enseigner aux autres. Sinon, gare à toi, tu entends? Bien, j'essaierai, grand-père. Mais tu le dois. Va donc, va te chercher un travail à la ville. Comme tout un chacun. Jeune crétin. Hé, il l'a trouvé. Envoyez-le le dénicher. Alors, t'as trouvé? Non. Oh, mais j'irai pot de banane. Il a tout de même pas pu disparaître comme ça. Cherchez des ennuis? Si vous continuez encore à me suivre, je vous casse en deux, tous les trois. Oh, grand frère. Bon Dieu, mais qui est votre frère? Nous trois, nous pensons que vous êtes le meilleur. Alors, vous êtes notre maître. Votre quoi? Ah, j'arrive pas déjà à m'occuper de moi-même. Et vous voulez que je sois votre maître, crétin? Mes frères, nous pensons que vous êtes le plus grand. Le petit a raison, c'est sûr. Et puis grâce à nous, vous pourrez gagner beaucoup d'argent. Ah, c'est vrai, ça. Mais qui vous empêche de le gagner, vous? Je crois que vous êtes malade. Mais sans vous, on peut rien faire. J'ai assez d'ennuis comme ça. Ne manquerez pas d'autres, c'est clair? Attendez! On n'oserait pas vous créer d'ennuis, ça jamais. Si je fais quoi que ce soit demain, vous pourrez m'appeler œuf pourri, d'accord? Absolument. Et aussi, vous pourrez me taper sur le crâne tant que vous voudrez. Vous n'avez rien à perdre. Venez donc avec nous voir le patron. Oui, venez. Eh ben, j'irai voir votre patron, ok?
Bon, alors, c'était aimable à vous d'être venu. Que pensez-vous de la proposition d'enseignant? Qu'en dites-vous, Enseignant? Mais qui est l'enseignant? Il n'y a pas l'enseignant. Oh, mon nom se prononce enseignant en allant vite. Les deux sonnent de la même façon et ça me donne une sorte de force et de supériorité sur les autres. Vous venez peut-être du Japon, je me trompe? Et pourquoi dites-vous ça? Peut-être une imitation. C'est bon. Il n'y a rien de ridicule en affaire. Exact. Si vous voulez bien réussir. Exact. Cher ami, pourquoi n'enseignez-vous pas dans notre école? Votre salaire mensuel s'élèverait à 100 à elle. Et en plus de cela, toutes les rentrées d'argent seront partagées entre nous deux. Et en outre, je vous offre une prime de combat. N'est-ce pas équitable? Oh, c'est à fait. C'est bien 100 à elle. 100 à elle. J'accepte très bien, mais je... Mais il y a mon grand-père. Il m'interdit de me battre où que ce soit. Vous ne soupçonnez pas ce qu'il est capable de faire. Assez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des idées plein la tête. Voyons, ce que je veux, c'est que vous, vous vous battiez. Mais mon grand-père... Attendez. Rien de plus. Est-ce que ça marchera? Mais bien sûr que ça marchera. Finissez de vous restaurer et je vous emmènerai voir notre belle école, cher ami. Qu'est-ce que veut dire polytechnique, hein? Eh bien, nous enseignons toutes les techniques du kung-fu. C'est pourquoi nous l'appelons l'école comme ça, c'est tout. Ben, c'est du vent. Vous n'y comprenez rien. Et c'est bien vrai. Lorsque nous avons ouvert, deux élèves se sont inscrits. Et ils ne payaient guère. N'est-ce pas décourageant, cher ami? Tout à fait. Mais le choix du nom est capital dans ce métier. Pas vrai? C'est juste. Trouvez-en un. Aidez-moi. Voyons un peu ça. Dur à trouver. Alors, qu'enseignez-vous? Nous enseignons le SSS. Ça n'existe même pas. Hein? Mais bien sûr, tout d'abord, sachez ce que veulent dire ces initiales. 1, c'est smart de venir chez nous. 2, ce sont les 16 taels à payer. Puis enfin, vient notre superbe kung-fu. Et si je refuse de m'inscrire, gros malin? Eh bien, ces initiales voudront dire autre chose, monsieur. En premier, vous êtes stupide de refuser. Secondo, nous perdons seulement notre temps. Et tertio, vous devez partir de suite. Pourquoi ne mettez-vous pas à la porte? C'est bon. Attendez, permettez-moi de me changer d'abord. Si vous me cherchez noise, attendez, faites-le asseoir. Maître. Maître. Qu'est-ce qu'il y a? Du travail. Quel travail? Eh bien, jetez un coup d'œil. Allez, allez. C'est l'animateur d'une très grande école. Il... Oh, excusez-moi, il a des élèves quelque chose comme 40 ou 50. Et si vous le maintenez, ils viendront tous chez nous. Chacun d'eux représente au moins 15 taels. 150 les 10? Ah, c'est pas mal du tout, hein? Très juste. 15 élèves, ça fera donc 225. Combien les 20? 300. Et 40? Ça fait... Non, vous inquiétez pas de ça. Allez vous battre. Mais ça n'est pas aussi facile. Regardez-le. Il est énorme, et son regard glacé. Regardez la grosseur de ses poings. Je veux pas me battre. Pas pour moi. Mais nous avons conclu un marché. Moi, je me sers de ma tête et vous de vos mains. Attendez. Combien me donnez-vous pour mes petites mains, enseignagne? D'accord, 50. Ah, j'ai mal. 60. Non, ma jambe. Bon, 70. Aïe, mon ventre. 80. Ma tête. 90. Aïe, mes chaussures. Quoi? Un mal de chaussures, oh, sans elle. C'est quoi? Non, c'est bon, j'arrive. Je vous suis. Vous venez? Ah oui. Et? Cet imbécile qui marchait, va-t-il venir à la fin? Qu'est-ce passe-t-il? Hein? Vous ne
vous n'êtes pas changé. Oui, bien observé. Voilà, je suis le directeur de la maison, non? Il fait assez chaud et je préfère ne pas me battre avec vous, monsieur. Ah, mais non! Moi, je me battrai avec vous, même si je dois en crever. Quelle effronterie! Vous méritez une leçon de politesse. Vous insistez? D'accord. Mon domestique le plus ignare va vous donner une leçon. D'accord? Et ça lui fera plaisir. Bien. Bon. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi? Patron! Ah! Apprends-lui la politesse. Quoi, ça? Oui, ça. Ce gars-là, c'est bien assez pour vous. Vas-y. D'accord. Vous voulez vous battre? Oui. Pour pas vous énerver, prenez une tasse de thé. De travailler. Oui. Admettez votre défaite. Vous êtes battu, non? Si. Vous me cédez le racket, n'est-ce pas? Oui. Et je prends en main votre école maintenant? Oui. Et vous repartez maintenant? Oui. Vous avez entendu? Vous avez vu? Oui, oui, oui. Bon, alors emmenez-le. Oui, oui, oui. Oui. Je t'en foutrais, moi. Hé là! Mais qu'est-ce que tu fabriques, toi? C'est vous le vainqueur du grand maître? Bien entendu, c'est moi. Vous devez être excellent. Oui, oui, je me débrouille assez bien. En fait, je suis l'un des meilleurs. Ah. Alors, je voudrais avoir un aperçu de votre art. Voyons un peu la technique des doigts. Hein? Mais personne ne peut avoir d'aperçu de cette technique sans payer. Exact. 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 Coulis, 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 coulis. Mais pourquoi ne réponds-tu pas, hein? Je ne m'appelle pas comme ça. Mais c'est le nom que je t'ai donné, voyons. Regarde, un autre. Ah ben, il est pas énorme, celui-là, ça sera facile. Et alors, si on réduisait le tarif, hein? 20%. D'accord. Au travail.
Nom, prénom et qualité. Je suis Peuplier Sabreur. Quoi, Dernier Sabreur? Ah oui, faites-le vous-même. Alors, combien? 20 à elle. Encore, enseignante. Vous avez encore beaucoup à apprendre, hein? Je vais te montrer ce que je sais faire. Espèce de morveux! Dites donc, c'est pas à vous, mon vieux. Oh bien, c'est la bonne position. Reste là. Alors, n'utilisez pas votre sabre, sauf en cas d'absolue nécessité. Sans ça, vous pourriez perdre ce joli nez. Tout de suite.
entrez, grand-père. Grand-père, tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Ah, tu as besoin de te reposer. Grand-père, je vais t'apporter du thé. Où travailles-tu en ce moment? Ah, toujours au même endroit? Il faut t'appliquer et obéir aux ordres. Tous les gens qui t'emploient. Ah, mais je suis très obéissant. C'est un travail dur? Ah non, c'est pas foulant. Juste de la bagarre et... grand-père, c'est ton médicament. Maître! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grosse brute qui vient d'entrer. Une grosse? Ah oui. Jetons un œil. Oui. C'est un géant. Ah oui, oui, c'est assez grand. Écoute-moi, je crois que je le connais. C'est un gros porc qui se pavane pour montrer sa force. Moi, je vais le foutre dehors. Alors, tu le crois aussi bête que toi, aussi stupide que toi, et tu veux le vaincre? Eh ben, vas-y. Maître, mais vous pouvez le vaincre. Sans blague. Ah, si. Regardez-vous bien, Ansenian. Vous êtes très riche. De l'or ici, de l'or ici, là et tout. Même vos dents sont en or. Non, pas les dents. Non, presque en or. Vous êtes riche, maintenant. Vous portez ce qu'il y a de mieux, vous mangez ce qu'il y a de mieux, vous êtes plein de graisse. Nous devons risquer notre existence pour payer tout ça. Ça vous est égal qu'on crève? Si vous ne vous battez pas contre lui, comment vais-je payer le dédit? J'en sais rien. Oh, 500 taels. 500 taels? Oui. Promis? Ouais? Oui, d'accord. Bougez pas! Tu le connais? C'est un obsédé sexuel. T'es sûr? C'est bon. Allez. Merci. Oui. Dis donc, allons vous renseigner, je vous rejoindrai ensuite. Vous oubliez votre client. Pas mal, mais c'est pas grand-chose comparé à notre petit serveur. Allez chercher ce type que je l'assomme! Patience. Sinon, vous serez hors de combat avant même de commencer. Je n'ai peur d'aucun homme. Laissez-moi vous dire quelque chose. Apprenez à vous contrôler si vous désirez vaincre. Autrement, je ne donne pas cher de votre peau. Et le voilà. Ah, qui êtes-vous? Le maître est absent et m'a chargé de le seconder, gros chatounet. Oh, faites attention à cette brute-là, il vous broiera. Ah oui? Oh, vous êtes belle. J'ai le cœur qui s'affole. Je suis un peu inquiète. Vous êtes si grand et si puissant. Ne vous en faites pas. Mais pourquoi? Ne soyez pas inquiète, mignonne. Ne vous en faites pas. Allez, donne-moi un baiser. Oh. Insolent, je suis une fille honnête. Frappez-moi encore. Frappez-moi si vous en avez envie. Ça fait mal. Oh, oh, laissez-moi vous masser. Mignon. Oh, comme vous avez de grandes mains. Oh oui, c'est pour mieux vous frictionner. Si vous faites ça, je vous jette dehors, saligo. Donc vous savez le kung-fu? Quelque part, c'est pas grand-chose. Bien, on va s'amuser. Oh, vous avez des jambes poilues. C'est pour être plus sexy. Oh, que vous avez un grand pied. Oh, c'est pour mieux le prendre, espèce d'idiot. Attendez. Laissez-moi
en faire le tour. Permettez-moi de me retirer un petit instant. Que faites-vous de allonger par terre? Êtes-vous donc en colère? Oui, chérie. Où est ça, cet extra? Laissez. C'est un mec. Quoi? Tu en l'es? Prends ça! Et ça! C'est à moi, là. Le combat est terminé. Et l'argent est à moi. Oh, reprenez-le. Ah bon, il en veut pas. Bon. Dis-moi où se trouve Chen. Où se cache-t-il? Je ne vous le dirai pas. Maître, j'ai appris que Chen se terre dans une maison non loin de la ville de Qiang. Qu'est-ce que c'est ça? Grand-père, ne sois pas triste si je devais être tué un jour. Cet argent, c'est pour te soigner que je l'ai gagné. Ton petit-fils affectionné. Il adore le décor, ce gars-là. Le décor. C'est bien joué. Je vais avoir tout l'argent à moi. Bon. Je ne pense qu'à ça, sans arrêt. C'est exprès que vous êtes tombé, c'est pas très honnête. Allons, levez-vous. Ah, nous avons fait un marché, je n'ajouterai rien. Mais je ne demande rien cette fois. Attends, attends, je suis battu. Tu peux prendre l'argent. Lâche-moi. Mais vous ne pouvez pas partir.
Le tocard a dit que j'ai gagné, non? Ah! Espèce de morveux, qui traite le tocard? Ah! Bien fait. Monsieur, mais vous êtes très bon, j'aimerais bien vous engager. Va te faire voir. Et votre kung-fu? Mets-toi tes oignons paumés. Qu'y a-t-il? Comment se fait-il que tu sois si poilu? Mais non, je ne suis pas poilu, c'est là que ça se passe. Mais qui c'est cet individu? Et puis dis-moi, qu'est-ce qu'il fabrique dans cette école? Foutons-le dehors. D'accord. Allons-y. Oui. D'accord. Oui. Enlevez-le. Vous cherchez? Mon petit-fils. Ici, il n'y a pas de petit-fils. Mais qui êtes-vous? Je suis le directeur de cette école. Dieu du ciel. Ce nom peut coûter cher. Nous sommes assez fiers d'avoir changé le nom de l'école. Grâce au maître, je l'entends. Oui, où est-il? Il s'est enfui. Il y a longtemps. Mais qui êtes-vous? Je suis le maître de votre maître. Maître. Il vient de s'en aller. J'ai dépassé les mesures. Mon grand-père va me tuer. Qu'est-ce que je dois faire? Petit, où habite le vieux chêne? Le garnement. Où habite Chen? Et ses grands-pères? Chen Wuying, tu ne peux pas t'enfuir. Sois sans crainte. Tu ne t'enfuiras pas, parce que tu ne peux plus courir. Tu ne te sens pas seul à vivre ici comme un ermite. Tu es toujours là à me suivre. Comment me sentirais-je seul? Tu es mort, Chen. L'heure est venue de régler nos comptes. Chen, tu dois mourir. Commence tes prières. Tu es très malade. Debout! Vieillard, tu n'en peux plus. Je pense qu'il vaut mieux te tuer. Lâche-moi! Ah!
Mais c'est la licorne. Il n'échappera pas. Aussi longtemps que tu vivras, tu pourras préparer ta vengeance. Je me tuerai, je me tuerai! Je sais que tu penses à te venger, mais tu dois manger. Essaie. Non, ne mange pas le riz. Mange ça. Ça suffit maintenant. Mais non, je suis pas fatigué.
tire-moi en même temps. D'accord. Pourquoi tu ne tires plus les sacs? J'y arrive pas avec toi sur les sacs. Mais je suis descendu maintenant. Ah ben alors je peux le faire. Ça ne te fait pas mal? Ah si, c'est douloureux. C'est parce que t'as pas bandé tes muscles. Quoi? Alors, oh, je comprends. Ça suffit, non? Et pourquoi? Parce qu'il est l'heure de manger. Manger? Ah, chouette. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, celui-là est pour toi. Tu m'as l'air tristounet, mon garçon. Ça ne va pas? Oh, j'en ai assez d'encaisser des coups, maître. Allons, debout. Allez. Tu dois respirer, garçon. Respire bien. D'accord. Expire. Respire. Ferme la bouche. Déglutis. Retiens ton souffle. Trop tard. Beaucoup trop tôt, voyons. Oh, je suis fatigué. Continue à travailler. Maître! Maître! Tu n'as pas honte, espèce de grand paresseux, de dormir par une si belle journée, hein? Qui est venu ici? Si quelqu'un était effectivement venu ici, tu serais sûrement mort à cette heure. Il va falloir dormir d'un seul œil dorénavant, maître. Oh, ainsi. Dans le kung-fu, il faut que tu apprennes à te servir de tes méninges ainsi que de ton corps. Sinon, mon garçon, tu te fatigueras. Tu seras épuisé. Alors, tu as perdu ta langue ou quoi? Montre-moi. Je vais t'apprendre à t'adapter aux circonstances. Bon, voyons si tu peux arriver à sortir par la porte. Vas-y. Remonte.
Viens ici. Tu veux jouer des tours encore? Aïe, ma main. Attention à tes pieds. Te voilà rangé comme un poulet. Tu restes bloqué, on dirait. Mais pas à la bonne porte. Attention la tête. J'ai une autre fenêtre. Merci. Espèce de dégonflé. Attrape ça. C'est pas si mal, hein? Oui, c'est pas mal. Maître. Voilà. J'ai encore un point d'avance sur toi. Hé, mon garçon, j'ai soif, je vais aller boire quelque chose. Je te retrouve ici. Je vais aller faire un tour. Revenez, c'est beaucoup trop d'argent. Il est mort? Fou par-dessus le marché. Seigneur, allons-nous-en. Espèce de chien, conserve-toi! Jeune homme, quel est ton problème? Sais-tu que tu es fou? Ton kung-fu n'est pas mauvais. Pour me combattre, ce n'est pas suffisant. Tu rêves, petit. Yeah!
Je crois que tu dois être fatigué de vivre. Je vais t'aider un peu. Tu oses me mordre? Espèce d'imbécile, tu crées partout des histoires. Excuse-le, il cherche noise à tout le monde. Le diable t'emporte. C'est mon petit fils, vous comprenez? Allez, rentrons à la maison. Seigneur, je vous demande bien pardon. Si tu es son grand-père, tu es aussi son maître. Oui, Seigneur, je vais l'emmener à la maison. Excusez. Allez, viens, espèce d'imbécile. Seigneur, ce vieil homme ressemble à Yang, la licorne. Mais oui, la licorne. Il a disparu. Il ne veut pas s'échapper. Ah, tu es tellement impulsif. Heureusement que je suis arrivé juste à temps. Combien de fois devrais-je te le dire? Il faut que tu changes. Je suis bon à rien. Bon à rien. Il est inutile de se lamenter. Tu as de la chance de ne pas avoir été gravement blessé par Toucheng cette fois-ci. Toucheng? Dieu merci. Tu étais trop en colère pour utiliser toutes les ressources de notre kung-fu. Il ignorait en fait qui tu es. Autrement, il t'aurait tué. C'est ce qui explique qu'il se soit contenté de te blesser légèrement. Tu as une chance inouïe de t'en être tiré en ayant la vie sauve. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose sur ton kung-fu. Il n'est pas trop mauvais, mais tu es trop désordonné. C'est pour ça que tu te fatigues. Tu ne peux pas bien attaquer parce que tu gaspilles ton énergie. N'ai-je pas raison? Hein? Alors, que puis-je faire? Je pense que tu connais notre technique de base. Je me trompe? Maintenant, je veux t'enseigner une autre technique. Cette technique exigera de toi, en plus du corps, ta joie, ton chagrin, ton deuil, ton espoir, tout ton être réel, ton imagination. Tes émotions seront au service de ton art. N'oublie pas que le but est de gagner. Et souviens-toi que tu n'es pas seul. Je vais t'enseigner une nouvelle technique. Elle dérive du kung-fu appelé les poings d'acier. Cette technique exige que tu te serves de ton cerveau et de ton corps en même temps. Que tu mettes à profit tes sentiments d'être humain. T'en servir au lieu de les gaspiller. La joie te permettra de surprendre ton adversaire par ton détachement. La colère te donnera 10 fois plus de force dans tes attaques. Ah!
le chagrin mystifiera ton adversaire jusqu'au bout. Le bonheur l'intriguera et l'effraiera. Maître. 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 La licorne. Voyons si tu es capable de ramper encore longtemps. Arrêtez! Eh bien, vous trois, contre aboiteux? Dis donc, tu peux causer ma parole? Moi, je cause, oui. Mais à ta place, je la fermerai. Attends. Je vais lui couper la langue. Tu n'es qu'un cloporte! Ça t'apprendra à être correct. Attends. Une espèce d'imbécile. Ça te gêne, tes fanfanluches? T'as peur? Certain. Encore une fois. Tu es de loin le meilleur. Là, je vais mieux. Vous êtes prêts? Ah!
perdu quelque chose? Tue-le! Tue-le, vieux! Bouge pas, ou je l'égorge. Faut pas t'inquiéter. Finissons ça. Tue-le! Tue-le, espèce de pleutre! Car si tu ne le tues pas aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux ennemis que tu as! Vas-y, tue-le! Maître, ne t'inquiète pas, je les aurai. J'en suis sûr. Mais à quel prix, mon garçon? Maître! Pardon, maître, mais... Je n'aime pas les fuyards chez moi. Meurs, chien! Crétin de paysan, que veux-tu de moi? Je suis le petit-fils de Chen et je vengerai sa mort. Je te tuerai! Tu subiras le même sort. Sale gosse. Tu ne m'échapperas pas, tu vas mourir. Pas si vite. Maudit serpent. Debout. Debout. C'est l'heure. Tu vas mourir, c'est sûr. N'espère pas de l'aide. Souffle donc. Souffler. Ouais, il est temps. Tant que je panne. Bon, mon second souffle. Maintenant, debout. Ah, du calme. Yeah.
n'appuie pas sur moi. Yeah.